Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Bonjour Sami Alloun. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy, heureuse de vous retrouver dans les studios d'Alger Chaîne 3. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de sites web et de plateformes numériques qui sont conçues pour donner aux consommateurs donc un espace d'interaction, de réclamation, mais également pour effectuer des sondages et enquêtes sur les différents modes de consommation de l'association LMN pour la protection des consommateurs a lancé son nouveau portail web qui vise justement à rapprocher davantage les consommateurs pour connaître leurs problématiques. Samy. Des espaces virtuels pour garder un contact constant avec les différents consommateurs, pouvoir ainsi avoir des indicateurs, des statistiques ou des rapports sur ce qui marche, ce qui arrange le consommateur, ou alors pour connaître l'origine d'une problématique ou d'une arnaque répétitive sur le web, pouvoir ainsi sensibiliser et prendre les mesures nécessaires pour veiller à la protection des consommateurs. Une plateforme numérique qui mise principalement sur la récolte de données, avoir ainsi des informations sur les différents modes de consommation, connaître ainsi les habitudes, les préférences des consommateurs en se basant sur des schémas qui, une fois renforcés avec davantage de données, permettent d'avoir un meilleur aperçu, une vision globale sur les caractéristiques et spécificités du terrain. Des sondages et autres enquêtes seront également facilités à travers ce portail web. Les membres de l'association qui ont comme tâche de récolter les informations nécessaires peuvent désormais cibler plus efficacement les consommateurs concernés, ce qui se traduit par un gain de temps avec cette approche plus fluide que le format papier. Des experts et universitaires des différentes spécialités vont également contribuer à traiter des différentes problématiques en rapport par exemple avec la sécurité alimentaire, l'efficacité énergétique, la lutte contre le gaspillage, ainsi que tout autre sujet directement ou indirectement lié au mode de consommation du citoyen. Un espace consommateur est bien évidemment disponible sur la plateforme numérique proposant des fonctionnalités en rapport par exemple avec les réclamations. L'internaute peut alors choisir le type de réclamation, est-ce un achat en ligne, en boutique, est-ce une arnaque ou une autre forme style une intoxication, un problème de transport. L'internaute peut alors en quelques clics communiquer le problème rencontré. Une réclamation qui ensuite nous demande d'écrire nos coordonnées, nom, prénom, email, numéro de téléphone, puis une autre page nous invite à communiquer avec détail les raisons de la réclamation, pouvant également joindre des documents ou autres formes de multimédia pouvant servir de preuve pour le traitement de la réclamation et la résolution de la problématique sur le moyen ou le long terme. Merci, il suffit de se connecter, Samy Alloun, tout simplement. À très bientôt, à demain.